ligne. C'est bien ce qu'a fait Joris Chautard là. Et Laborde a profité d'une glissade de Badiachil pour récupérer ce ballon. Laborde dans la surface de la passe. Il décale sur le côté. Il va s'attendre sur un poteau. La tête et le but de Mollet. Le but de Mollet. Oui, Florent sur le centre de Laborde. Les Montpellierains ouvrent le score ici. Une tête piquée à bout portant de Florent Mollet. Ah, c'est magnifique. Je suis content pour lui. Mollet pour tirer. Et dans les 6 mètres, Delors et Laborde. C'est parti, la tête, oh là là, la balle repoussée, but de Mendes, but de Pedro Mendes, ouais, cette fois c'est Mendes, cette fois c'est Mendes, but de Mendes, ouais, deuxième but sur le corner et encore une fois, un très décevant, un très étonnant, parce qu'elle est pas mal, pas si mal que ça, la situation du Montpellier-Héro. À quelques encablures de la fin de cette 9e journée de championnat. Belle fête le corps là de Mollet qui a laissé filer. Ça profite à la mort de Mollet maintenant qui va pouvoir centrer pour Delors. Oh, oh, fantastique! Fantastiquissime but d'Andy Delors. Le troisième but sur la combinaison de la mort de Mollet. Oh, c'est bon! Oh, que c'est bon! Merci Andy Delors. Ce but est prodigieux! Ce but est phénoménalissime. Andy Delors, troisième but personnel. Tout est parti de la mort de cette magnifique talonnade de Mollet qui va centrer au second poteau. Et Andy Delors crucifie Benjamin Lecote. Troisième but personnel d'Andy Delors.